tous nos politiques, tous nos gouvernements recherchent à corps et à cri la croissance. Et la croissance, c'est l'énergie. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Donc, la conclusion, c'est que ces pétroles non conventionnels, extrêmement ravageurs pour l'environnement, destructeurs de la vie, il y a une tendance forte de les utiliser. Or, il y a malgré tout des solutions, et il y a des gens qui ont fait des études très sérieuses, Négawatt par exemple, qui vous démontrent qu'en 20 ans, on peut diminuer notre consommation par deux. Diviser la consommation par deux, en 20 ans. Et pour ça, il faut prendre des décisions politiques, il faut effectivement prendre des décisions peut-être autoritaires, mais c'est faisable, on a les moyens de le faire. Donc l'un ne va pas sans l'autre. L'exploitation, la forte demande de pétrole de schiste, elle va de pair avec notre forte demande d'énergie. Et si on ne diminue pas notre demande d'énergie, ça sera très difficile de lutter contre le pétrole de schiste. Lorsqu'il y a la fracturation de la roche mère, il y a la radioactivité naturelle qui est dans la roche qui remonte. Donc après, il y a des conséquences qui sont incalculables. Et il y a aussi tous les métaux lourds qui sont naturels et qui remontent et qui sont très très dangereux. Pour un éco-citoyen qui n'est pas du tout technicien et qui a l'habitude de voir un puits dit conventionnel à côté de chez lui, à quel signe concret doit-il lancer une alarme pour dire attention, on est peut-être en train de passer en fracturation hydraulique ouverte et... En fait, si j'ai bien compris, et ça c'est... parce que moi je suis du 92, mais je suis déjà venu ici sur 77, sur un des premiers puits qui était en février, et je crois le conseil général est venu après. Mais en fait, c'est très difficile à se rendre compte au niveau, par exemple, des produits ou même des véhicules. Alors, par exemple, à l'amicale, il disait qu'il y avait, par exemple, des semi-remorques, une trentaine de semi-remorques qui devaient venir. Alors, normalement, il faut avoir une autorisation quand il y a un certain tonnage qui va venir sur une commune. Donc, normalement, les communes sont au courant, doivent donner l'autorisation ou la préfecture. Oui, les convois exceptionnels. Ensuite, quand on a certaines personnes qui travaillent sur les puits et qui vous disent, vous savez, quand il y a un contrôle qui vient, il y a une chose assez simple à faire, c'est de reboucher, de mettre une voiture dessus, et on ne peut pas contrôler. Voilà. Parce qu'ils sont dans l'obligation d'être prévenus quand il va y avoir un contrôle. Aux États-Unis, on s'en rend plus compte parce qu'en fait, ils font le transport par poids lourd. En France, on va utiliser des fois les anciens gazoducs ou autres pour pouvoir faire le transfert. Donc, on ne le verra pas en surface. On verra à la limite la foreuse, mais même les foreuses, maintenant, elles se modernisent. Et même si lui disait qu'il faut 30 ou 40 semis en poids lourd, il y a une foreuse qui montait que sur un camion et qui pouvait creuser jusqu'à 3000. Bon, ça, ils ne l'ont pas dit. Mais effectivement, pour savoir les puits, il faut y aller souvent. Et puis après, il faut avoir des personnes qui connaissent et le matériel et les produits utilisés. Mais même ça, on peut ne pas être sûr. Parce qu'il y a une fois où on était venu sur un puits, on a fait les photos. Le lendemain, on y est retourné, ils avaient retiré les produits. Alors, est-ce qu'ils les avaient cachés dans les baraques? On ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y avait plus la palette avec les sacs. Même si c'était un puits conventionnel ou pas, on ne peut même pas savoir. Mais ils avaient caché. Voilà. Après, on peut se rendre compte de la signalétique qui est collée au poids lourd. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir les 3-3-3, très très dangereux ou autre. Là-dessus, on peut savoir, parce que c'est pour que les pompiers, au cas où le camion, il y a un accident, ils puissent savoir comment intervenir. Mais les citoyens peuvent être amenés à savoir le contenu des produits, des poids lourds, en regardant les plaques orange avec les numéros. Alors, ce qui est remonté, c'est comme pour d'autres choses aussi, c'est que des fois, on ne sait pas encore le recycler correctement, mais on va faire les techniques, enfin, ils vont faire les techniques de recyclage de ces déchets au fur et à mesure. Mais en attendant, il y a certains produits qui sont stockés. Ces gens, ce sont des gens qui se mobilisent depuis plus d'un an, qu'on appelle des comités de vigilance en fait sur le gaz de schiste, qui sont réunis en collectif. Un collectif, ce sont des gens qui sont, pas fédérés en association. Nous avons Guy Noël, donc du collectif 92, voilà. Sylviane, qui nous vient du Périgord, qui est venue extrait du Périgord. Séverine, avec le bonnet pigien, qui nous vient du Lot. Benoît Perrin du collectif Carmen Château-Thierry. Carmen est liée à Toréador. Voilà. Françoise. Fabienne Vergne, collectif Briard aussi. Voilà. Déborah Duteil qui est là-bas sur le stand, donc collectif Briard. Emmanuel Thévenot, je ne sais pas s'il est parti, je l'avais assis, mais il devait partir. Il m'a dit qu'il avait des représentants de son collectif qui s'appellent, excusez-moi si je me trompe, hein, parce que moi je suis savoyarde, le collectif Basset-Montois. C'est ça?
Voilà. Le collectif Sud Seine-et-Marne, Antoine Girard. Antoine Girard. Voilà, Antoine Girard. Donc Fabien Vallée, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a des gens aussi de Barjac, le Gard, qui sont là. Bah, ils sont, je ne sais plus si vous pouvez lever la main. Je les ai vus tout à l'heure. Voilà. Le collectif 94, j'ai déjà fait exprès. Franck Gesbert, alors lui, je pense qu'il va élire domicile en Seine-et-Marne. Il est tous les week-ends en Seine-et-Marne. C'est lui qui a produit les photos. Voilà. Donc il est vraiment avec vous sur ce combat. Thierry Timix aussi qui filme à la caméra, qui est en train de faire un film qui sera sur YouTube. Voilà, parce que. Qui est vidéaste, donc professionnel, enfin voilà, du Lot. Et tous les bénévoles aujourd'hui, Henri, Jonathan, bon, Pierre Doerler qui s'est présenté tout à l'heure, Nicolas qui est là-bas du Tarn-et-Garonne, hein, voilà. Et surtout, je voudrais remercier tous les gens de Blandy-les-Tours qui nous reçoivent aujourd'hui sur leur commune, le meilleur pour la fin. Voilà. On voulait vous dire qu'on a fait aussi cette réunion ici pour les habitants de Blandy-les-Tours parce qu'on les soutient et qu'on est tous ensemble. Et notre mot d'ordre, c'est ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain.